Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonsoir. Merci de votre aimable fidélité au rendez-vous du magazine agricole Brave Paysan. Situé en Afrique occidentale et jouissant d'un territoire qui lui permet de tirer à la fois profit de la savane et de la forêt, la Côte d'Ivoire est connue dans les milieux agricoles comme un grand pays producteur de cacao et de café. Autant d'atouts qui justifient la participation de la Côte d'Ivoire à la 49e édition du Salon international de l'agriculture. Pour tous nos braves paysans qui n'ont pas pu effectuer le déplacement jusqu'à Paris, nous vous ferons vivre le salon comme si vous y étiez. La 49e édition du Salon international de l'agriculture a enregistré le retour remarquable de la Côte d'Ivoire. Il suffit de regarder les différents stands pour s'en rendre compte. Ce ne sont pas les visiteurs des stands ivoiriens qui en diront le contraire. Mesdames et messieurs, nous sommes sur le stand de la Côte d'Ivoire. Nous allons passer la parole à Madame Clubali qui va nous expliquer la sélection des produits ivoiriens sur le stand de la Côte d'Ivoire. Bonjour Madame Clubali. Bonjour. Vous êtes sur le stand de la Côte d'Ivoire et cette année, nous sommes à la 17e année de notre présence ici au Salon de l'agriculture de Paris. Et donc, nous sommes arrivés avec des produits de l'agriculture, des produits sélectionnés au niveau des producteurs. Et donc, nous avons un stand. Vous avez toutes les filières qui ont été appelées et toutes les filières ont apporté des supports et des produits. Et sur le stand, qu'est-ce que nous faisons? Nous présentons les produits frais, des produits séchés, nous présentons des produits manufacturés, transformés et nous présentons aussi des supports. Et donc, nous pouvons faire le tour du stand. Ici, par exemple, vous avez les fruits frais, les cabosses de cacao. C'est des produits qui ne sont pas connus par tous les visiteurs en France. Beaucoup de Français ne savent pas que c'est à partir de ce fruit que nous obtenons le chocolat. Vous avez les noix de coco, vous avez les régimes de graines ici, à partir desquels nous obtenons l'huile de palme, et à partir duquel nous avons le savon et autres, et la margarine. Nous avons l'ananas et la banane. C'est des produits qui sont prisés par les visiteurs français. Ici, vous avez le stand de dégustation de notre café. En Côte d'Ivoire, nous avons réussi à faire la transformation du café et nous avons trois types de parfums. Vous avez le café Robusta pur, 100% Robusta. Vous avez le café Arabusta qui est issu de l'hybride Arabica et du Robusta. Il est prisé parce qu'il a un bon parfum que nous faisons déguster sur notre stand. Vous avez les liqueurs. Vous avez la liqueur de café. Vous avez la liqueur de cacao. Vous avez la liqueur de gingembre. Et c'est des produits qui sont vraiment prisés par les visiteurs ici en France. Vous avez les produits frais qui continuent ici. Vous avez la cola, les noix de cola et le gingembre. Les noix de cola et le gingembre qui sont prisés par les Français parce que ça a des vertus qui font du bien. Et c'est comme des produits, les deux mélangés font un peu excitant. Ils sont prisés, ils sont demandés par les visiteurs. Ici, vous avez la poudre de cacao, produit en Côte d'Ivoire. Et c'est le petit déjeuner qui est prisé par les visiteurs. À côté du ministre de l'Agriculture, vous avez les produits de le beurre de karité fabriqué par les femmes productrices du Nord. Le beurre de karité, vous en avez en petit pot, vous avez en grand pot. Bonjour madame, vous êtes sur le centre de la Côte d'Ivoire, quelles sont vos impressions? Moi, je trouve que c'est très bien, très très bien. Vous avez goûté à la loco, comment vous l'avez trouvé? Je trouve que c'est très très bien. Merci beaucoup, madame. C'est votre première fois au Salon international de l'agriculture? Oui, c'est pour la première fois. Quelles sont vos impressions? Ben super, il y a beaucoup de mouvements, c'est très, très agréable.
surtout l'accueil ivoirien avec le tambour, tout ça, ça m'a vraiment fait plaisir quoi, d'entendre ce mouvement. Vraiment, c'était festif, la nourriture, super quoi. Hein. Vraiment, on a bien mangé, le poulet braisé, aloko, la sauce, escargot, tout ça. Bon, c'était vraiment super, on s'est bien régalé. Vous êtes à votre première visite. Oui. Quelles sont vos impressions? Très bien. Comment vous trouvez le stand de la Côte d'Ivoire? Super, joli, impeccable. Très bon. Mais moi, je prends sans sucre. Hein, parce que c'est meilleur. Il y a plus le goût du café. Bonjour, madame. Bonjour. Quelles sont vos impressions pour votre visite? Que l'accueil est très sympa, les produits délicieux et que c'est vraiment des très bons produits. D'accord. C'est la première fois que vous visitez le salon? Non, on était déjà venu il y a longtemps, mais on n'avait pas fait la Côte d'Ivoire. D'accord. Et déjà, si on vous demandait de dire quelque chose à tous ces agriculteurs ivoiriens qui vous regardent? Ben, qui continuent à bien travailler. Merci beaucoup, madame. Déclinez votre identité et dites-nous ce que vous faites sur le stand de la Côte d'Ivoire. Moi, je m'appelle Mademoiselle Lynn Cissé. Ça fait 5 ans que chaque année, je suis sur le stand de la Côte d'Ivoire. Moi, j'occupe la place de vendeuse de café. C'est-à-dire, on fait déguster notre café de Côte d'Ivoire. On a de l'Arabusta, du Robusta et un mélange des deux. C'est-à-dire que je vends le café à longueur de journée qui marche très bien à 1 euro. Je fais aussi déguster la liqueur de gingembre, cacao et café. Après, la bouteille se vend à 10 euros, pas loin. Maintenant, le café, en fait, il est servi beaucoup entre midi et 2 parce que les gens finissent de manger et ils arrivent vers nous pour qu'on leur serve du café. Vous savez qu'il y a beaucoup de monde et c'est très fatigant. Mais sinon, c'est très rentable à part ça et toute la journée, ça se vend. Donc, moi, j'aime bien ce poste. La Nader était représentée au plus haut niveau par le PCA. En tout cas, j'ai eu une très bonne impression en venant à Paris. Sur le stand, je vois que la Côte d'Ivoire est effectivement présente. Je pense que l'année prochaine, nous allons faire encore mieux. La Nader a pour objectif, c'est d'abord l'encadrement du monde rural. Le conseil du monde rural, la conception de projets, les relations avec le monde extérieur. En venant ici, nous cherchons à nouer des relations avec tous ceux qui travaillent au niveau de l'agriculture. Nous avons la chambre d'agriculture, nous avons les instituts qui s'occupent de l'agriculture, nous avons également des agriculteurs, des coopérateurs qui ont une forme de fonctionnement qui ressemble à la Nader. Donc nous venons ici pour nouer des relations de coopération avec ces structures. Le président de la Chambre d'agriculture a aussi mis à profit cette opportunité qu'offre le CIA pour tisser des relations avec la Chambre d'agriculture, sœur de France, afin de bénéficier de leur expérience. Le Salon international de l'agriculture est un rendez-vous important, le plus grand rendez-vous international pour le monde agricole. Et il était donc important que la Côte d'Ivoire étant de retour, la Chambre soit là, en tant que représentation nationale, le Parlement des agriculteurs devait être là également pour marquer le retour du monde agricole avec la Côte d'Ivoire. Donc pour le moment, nous avons travaillé intensement. D'abord avec le ministre qui a organisé beaucoup de rendez-vous auxquels nous avons participé. Nous-mêmes, à titre individuel, au niveau de la Chambre d'agriculture, nous avons pris des rendez-vous, notamment avec la Chambre sœur de France. Nous avons rencontré le président. Avec lui, nous avons échangé sur le partenariat qu'on peut avoir, c'est-à-dire l'appui que la Chambre d'agriculture pourrait bénéficier de la Chambre sœur de France, qui a un peu plus d'expérience pour que véritablement le monde agricole soit mieux encadré, mieux structuré, pour que, comme on le promet dans tous les discours, effectivement, le monde agricole puisse quitter ce domaine des moins servis. Quand on imagine un peu la place que joue l'agriculture dans nos pays, surtout en Côte d'Ivoire, on a toujours dit que l'économie repose sur l'agriculture, mais les agriculteurs sont les moins servis. Donc nous venons véritablement pour prendre attache avec les agriculteurs français
qui ne sont vraiment pas les derniers, en tout cas au plan économique en France ici. Le message particulier, c'est à l'endroit des valeureuses populations agricoles qui ont porté l'économie, notre économie pendant 50 ans, qui vont encore porter l'économie ivoirienne pendant encore 50 ans, selon les prévisions. Leur dire que nous sommes à la tâche. Le ministre a une idée précise de ce qu'il faut faire pour eux, le président également. Donc nous ne faisons qu'accompagner ce mouvement, ce grand mouvement. Et je pense que l'espoir est véritablement permis pour le monde agricole, pour les planteurs, à partir du moment où bon, le président, dans toutes ses prévisions, non seulement 10% du budget national est alloué au monde agricole, mais également pour ceux qui font seulement la cacaoculture, c'est au moins 60% de leurs revenus, en droit du prix CAF qui va leur revenir. Donc à tous ces niveaux, je pense que l'espoir est véritablement permis et nous sommes en train de travailler à ça. Merci Monsieur le Président. Au cours de ce SIA, deux ministères ivoiriens que sont le ministère de l'Agriculture et celui des Ressources animales et halieutiques étaient fortement présents. Le ministre des Ressources animales et halieutiques se réjouit du retour gagnant de la Côte d'Ivoire et montre avec fierté les potentialités de son département au plan mondial. Aujourd'hui, nous sommes venus dans le cadre du Salon international de l'agriculture pour marquer notre présence, pour dire que la Côte d'Ivoire est de retour. Et vous avez vu que nous avons notre stand qui comporte deux compartiments. Il y a le volet ressources animales et halieutiques et il y a le volet agricole. Et nous avons fait le constat que notre stand est vraiment beaucoup fréquenté parce que les gens sont intéressés par ce que nous produisons. Et la Côte d'Ivoire est la première productrice de thon au niveau Afrique. Nous sommes les premiers aussi exportateurs de thon en Afrique. Nous sommes au plan mondial, sixième. Nous sommes venus également avec des mâchoirons. Vous savez que le mâchoiron est du poisson qui est très prisé en Côte d'Ivoire. Mais dans notre ministère, nous avons décidé de faire la promotion du mâchoiron. C'est pour ça d'ailleurs qu'au niveau de Jacquesville Aquaculture, nous développons cette espèce halieutique. On est venu avec des escargots géants. Et ces escargots géants ont été les plus visités dans le stand. Pourquoi ? Parce qu'ils paraissent grands, à la différence de ce que nous avons en Europe. Mais nous leur avons fait savoir que ces escargots n'ont rien à voir avec ceux qui ont été découverts en Floride, aux États-Unis, et qui font l'objet de polémiques. Nous, nos escargots sont élevés. Il y a d'autres qui sortent de façon naturelle dans les zones forestières. Et la chair est vraiment tendre. Tout à l'heure, nous allons, à l'occasion de la journée ivoirienne, faire déguster toutes les espèces que nous avons présentées à ce stand. On a aussi été impressionnés par ce que nous avons vu au niveau de l'élevage bovin. On a toutes les espèces animales en ce qui concerne l'espèce bovine représentées en France. Et nous avons vu la race Abondance qui a été jumelée à notre race Ndama et qui a donné la Ndamance. Ça aussi, nous voulons développer ça parce que ce sont des races rustiques qui peuvent résister même à la chaleur et au froid. Mamadou Koulibaly Sangafoua, ministre de l'Agriculture, a visité avec joie tous les stands avant de livrer ses impressions. Bonjour Monsieur le ministre. Alors, nous sommes sur le stand de la Côte d'Ivoire. Je suis sûre qu'ils sont nombreux, les braves paysans qui nous regardent, qui malheureusement ne sont pas présents. Alors, donc on va commencer déjà par leur dire un mot. Merci.
et ils ne sont pas tous présents, on va dire, mais ils sont présents à travers leur production. Parce que ce que nous voyons là, c'est eux qui l'ont produit. Non, on veut leur dire que nous sommes ici, essentiellement c'est pour eux. Vous savez, le président de la République a décidé de faire la réforme du secteur agricole. La première raison, c'est pour permettre aux paysans de bénéficier du fruit de leur labeur. Et donc l'objectif du chef de l'État, c'est de dire qu'au moins 60% des revenus tirés de chaque filière doivent revenir à ceux qui créent la richesse, à savoir les producteurs. Et donc nous sommes venus ici à Paris, dans le cadre du Salon de l'agriculture, qui est un rendez-vous international du monde agricole, pour présenter le nouveau programme national d'investissement de notre pays, qui a un coût global de 1 000 milliards sur 5 ans, et pour mobiliser ainsi les partenaires techniques, financiers et aussi le secteur privé. Alors, Monsieur le ministre, nous sommes à quelques jours de la fin du salon. Si je vous demandais de nous faire un bilan. Déjà, pour nous, c'est positif. Vous voyez, notre présence cette année est beaucoup plus impressionnante que les autres années. Le fait que le drapeau de la Côte d'Ivoire flotte sur le salon de l'agriculture est déjà, pour nous, une source de satisfaction. Mais au-delà, nous avons eu beaucoup de contacts qui sont très concluants. Nous avons eu des contacts avec le président de la Chambre d'agriculture. Nous avons eu une série de rencontres avec des membres du secteur privé qui sont tous intéressés à venir investir dans notre pays, notamment dans le secteur agricole, et qui nous ont demandé d'avoir une copie de notre programme national d'investissement. À tout cela, nous avons dit que bientôt, nous allons faire une table ronde des bailleurs de fonds. Autour de la table, il y aura le gouvernement, la CDAO, des partenaires techniques et financiers, mais aussi les membres du secteur privé. Monsieur le ministre, est-ce que les braves paysans peuvent penser que le ministre est en train de réfléchir pour qu'en 2013, on puisse penser au Salon international de l'agriculture en Côte d'Ivoire? Tout à fait. Pour nous, c'est ce que je disais avec mon collègue de ressources animales. Nous sommes venus ici essentiellement aussi pour annoncer que la Côte d'Ivoire est de retour, son agriculture aussi, et que nous pourrons, dans ces conditions, reprendre le Salon de l'agriculture, le SARA, qui se tenait chez nous en Côte d'Ivoire, qui a été interrompu pour des raisons que vous savez. Et notre objectif, c'est une fois au retour du pays, de présenter une communication au Conseil des ministres pour que le Salon de l'agriculture de Côte d'Ivoire puisse démarrer dès 2013. Ce sera l'occasion pour tous les braves paysans que vous défendez, et je vous remercie et vous félicite au passage, de venir à Abidjan, montrer leur savoir-faire, d'avoir des rencontres et de faire des opportunités d'affaires. Nous voulons un agriculteur moderne, comme le président de la République l'a voulu, qui n'utilise plus la daba, mais qui utilise des instruments modernes pour travailler, mais aussi qui devient professionnel, qui sait valoriser son métier et qui peut aller valoriser les produits agricoles au plan national comme au plan sous-régional. N'oublions pas que nous avons un vaste marché sous-régional qui n'est pas couvert. Le Nigeria à côté, comme disait le président de la République, qui est aujourd'hui président de la CEDEAO, c'est quand même près de 200 millions d'habitants. L'espace CEDEAO, c'est 500 millions d'habitants. Mais nous n'avons même pas de quoi satisfaire le marché du Nigeria. Donc les perspectives sont vraiment bonnes pour la Côte d'Ivoire. Découvrons ensemble la rubrique Agri-Info. Une conférence de presse s'est tenue dans les locaux d'Avar pour présenter le magazine agricole Le Paysan, magazine faisant la promotion du monde agricole dans toutes ses facettes. Il permet entre autres aux passionnés et novices du monde agricole d'avoir un panel d'informations sur le développement de leur activité et dans la même veine approfondir leurs connaissances sur l'agriculture. Plusieurs rubriques articulent ce magazine comme nous l'explique la responsable éditoriale. C'est vrai que l'émission Brave Paysan existe déjà, mais elle est insuffisante pour répondre aux attentes des acteurs du monde agricole. Elle ne passe que deux fois dans le mois et ne dure que 26 minutes. C'est donc pour satisfaire cette forte demande que le magazine Le Paysan vient en complément d'information à l'émission Brave Paysan. L'objectif principal, c'est la valorisation de l'agriculture. Le magazine est plus explicite et donne le maximum d'informations en 64 pages. En exemple, ce deuxième numéro met l'accent sur la cacaoculture, d'où le titre évocateur de cacao de A à Z. Comment réussir sa plantation et comment mieux vendre sa production. En plus des astuces et des techniques sur la cacaoculture, vous avez dans le magazine des rubriques telles que Agri-Santé qui vous donne des informations sur les plantes qui soulagent le VIH. Agri-Stratégie, où et comment cultiver la banane plantain. Agri-Conseil, comment bien gérer son exploitation agricole. Pour des informations sur la pluviométrie, vous avez des informations dans la rubrique agro-météorologie. Pour finir, vous avez la rubrique Agri à l'étranger qui donne des informations agricoles sur les pays de la sous-région et dans le monde. Plusieurs projets sont mis en œuvre
pour un développement efficient de l'agriculture ivoirienne et ce magazine agricole vient à point nommé pour épauler bon nombre de structures existantes. Le Programme de Service Civique National, PSCN, et la Commission nationale de lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petit calibre, COMNAT ALPC, ont décidé de s'unir par la signature d'une convention cadre tendant à insérer les milliers de jeunes qui ont déposé les armes. Et pour ne plus être tentés un jour à les reprendre, ils seront formés dans les chantiers écoles initiés par le PSCN. La lourde tribu est payée par nos braves paysans dans les villages qui sont exposés à toutes sortes de risques lorsqu'ils se rendent dans leurs champs. Face à cette initiative noble, le président de la COMNAT ALPC ne cache pas sa satisfaction pour l'union de ces deux structures engagées au bien-être de la jeunesse. La mise en œuvre concrète de ce partenariat constitue non seulement un soulagement, mais aussi et surtout une assurance pour ceux qui hésitent encore, car la question de réinsertion des déposants d'armes est récurrente dans nos campagnes de sensibilisation. Cette situation trouve ici un début de solution dans ce partenariat avec le Programme national de service civique. En effet, grâce à celui-ci, nos cibles pourraient être éligibles pour le service civique national. La guerre est bien finie et le seul combat que nous devons mener dès à présent est celui du développement à 10 pour sa part, le dynamique coordonnateur national du PSCN, d'où son appel aux autorités administratives et organisations professionnelles pour leur implication. Conjuguons nos efforts afin que le grand nombre parmi nos jeunes puisse être formé et se prenne en charge. Je n'appelle aux conseils régionaux, aux mairies, aux chambres consulaires, aux organisations professionnelles qui doivent s'impliquer dans la mise en œuvre de cet accord qui les engage à travers chacune de nos structures partenaires. Car il y va de l'avenir de notre jeunesse et donc de l'avenir de notre pays. Les échanges de parapheurs ont scellé l'union entre ces deux structures. Le programme du service national a pour objet de contribuer à la formation des jeunes aux valeurs républicaines ainsi qu'à certains métiers en vue de leur insertion socio-économique. L'atelier d'actualisation et de finalisation de la stratégie de communication du ministère de l'Agriculture s'est tenu à Grand Bassam du 30 au 31 mars 2012 sous la présence effective du ministre de l'Agriculture. Le coordonnateur adjoint du DGDI a présenté la structure et les actions entreprises par celle-ci. Pour le ministre Mamadou Coulibaly, ce thème rentre dans les priorités du développement agricole de la Côte d'Ivoire. Le secteur agricole a besoin d'une bonne communication et d'une promotion de ses produits. Il a souligné le problème qui mine ce secteur et a apporté sa contribution qui se résume en trois points, ainsi que ses attentes pour cet atelier. Il a, entre autres, promis que les conclusions qui sortiront de cet atelier seront sur la table du Conseil des ministres. Sur ce, il a déclaré ouvert les travaux. Quatre commissions ont été constituées avec des thèmes différents pour un développement efficient du secteur agricole. C'est déjà la fin de cette émission. J'ai été très heureuse de vous la présenter. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un autre thème, toujours sur l'agriculture dans le monde. Que Dieu protège la Côte d'Ivoire. À très vite.